venue. Ah oui, voilà. Et merci à Bruno de nous faire encore le plaisir de nous parler d'une œuvre qui, elle, est moins connue, mais qui, en son temps, a été extraordinairement connue et qui était un énorme succès en son temps. Donc, je ne vais pas déflorer plus le sujet, mais voilà. Bruno, à vous la parole sur Hamlet, comme on dit en français. Oui. Ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette présentation d'Hamlet d'Ambroise Thomas, père d'Ambroise Thomas. Alors, c'est un événement de cette programmation parce que depuis 1938, on n'avait pas donné l'œuvre à l'Opéra de Paris, 1938. Et ça répond bien aux intentions de notre directeur, Alexander Neff, qui souhaite, depuis sa prise de fonction, remettre, si je puis dire, au goût du jour, ou en tout cas redorer le blason de l'opéra français, notamment des œuvres du répertoire de l'Opéra de Paris qui n'ont pas été données depuis longtemps. La programmation, par exemple, de Roméo et Juliette à la fin de la saison participe également de cette intention de remettre donc au goût du jour ou en lumière à l'Opéra de Paris des œuvres du répertoire français qui n'ont pas été données depuis longtemps. Donc, Hamlet, en tout cas 1938, cela répond parfaitement à cet objectif. Alors, c'est un opéra donc, en cinq actes, en langue française, bien sûr, d'un compositeur français qui s'appelle Ambroise Thomas, et l'œuvre dure 3h30 dans un entr'acte, et vous allez le voir à l'Opéra Bastille le 11 mars. Alors, quelques mots sur Ambroise Thomas, d'abord, compositeur français, qui est né en 1811 à Metz, qui est mort en 1896. Et donc, c'est un compositeur qui a connu tous les honneurs, si je puis dire, puisqu'on peut considérer qu'un peu comme Offenbach, Ambroise Thomas était le compositeur officiel du Second Empire. Il était assez proche du pouvoir. Et donc, il a eu, je cite, commandeur puis grand croix de la Légion d'honneur. Il a été membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il a été professeur au conservatoire. Il a été notamment le professeur de Jules Massenet. On ne le sait pas suffisamment, mais du grand Jules Massenet. Et puis, il a été également directeur du conservatoire. Et lorsqu'il est mort en 1896, il a eu des funérailles quasiment nationales avec une foule immense qui était présente à ces funérailles. C'est dire l'importance que revêtait ce compositeur à l'époque. Alors, il a abordé tous les genre symphonique, genre concertant. Il a écrit également des cantates profanes, des mélodies. Il a écrit des œuvres religieuses, des œuvres pour orgue et également aussi des musiques pour la danse, des ballets. Donc ça, c'est très important aussi de le préciser. Il a écrit pour la danse. Et il a écrit également une vingtaine d'opéras, aussi bien des opéras comiques d'ailleurs que des opéras plus sérieux. Et parmi cette vingtaine d'opéras, deux grands chefs-d'œuvre, Mignon, créé à l'opéra comique en 1866, avec un immense succès, et également donc Hamlet en 1868, qui sont deuxième grand chef-d'œuvre. Alors, quelques mots sur la jeunesse d'Hamlet, justement, puisque c'est de cette œuvre dont on parle. On est à la fin des années 50, 1850, et Ambroise Thomas a donc l'idée d'adapter la pièce de Shakespeare. Ce n'est pas la première fois que Thomas s'intéresse à Shakespeare, puisqu'en 1850, il a écrit un opéra comique en trois actes autour du songe d'une nuit d'été. Alors, un opéra comique dont le sujet était très, très, très librement inspiré de la pièce de Shakespeare, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à la fin de sa vie, il écrira une musique pour ballet autour de la tempête de Shakespeare. Donc, vraiment, il était intéressé par ce très grand auteur anglais. Et donc, il va demander à deux grands librettistes, qui sont Jules Barbier et Michel Carré, d'adapter la pièce de Shakespeare. Alors, Barbier et Carré, Thomas les connaît, puisqu'il a écrit avec eux Mignon, justement, qui a été créé en 1866. Il les connaît et il avait également écrit avec eux un opéra en 1857 qui s'appelait Psyché. Donc, ce n'est pas la première fois qu'Ambroise Thomas collabore avec ces deux grands librettistes, qui sont également les auteurs du Roméo et Juliette de Gounod, quand même, qui ont été aussi les auteurs du Faust de Gounod, et Barbier sera également le librettiste et des contes d'Hoffmann d'Offenbach. Donc, c'est vraiment des gens sérieux, de grands dramaturges, de grands poètes, qui s'attaquent, si je puis dire, enfin qui s'attaquent, non, puisqu'ils avaient également écrit Roméo et Juliette, mais qui vont quand même adapter la pièce de Shakespeare. Mais ce qui est très important, c'est que ce n'est pas seulement la pièce de Shakespeare qu'ils vont adapter. Ils vont adapter l'adaptation faite par Alexandre Dumas père en 1848,
de la pièce de Shakespeare. Donc, c'est d'une certaine façon une adaptation d'adaptation. Il y a deux sources qu'ils utilisent, la pièce de Shakespeare, mais aussi l'adaptation faite par Alexandre Dumas-Père de cette pièce en 1848. Ensuite, nous passons en 1853. Nous n'avons pas énormément d'informations, 1863, pardon, pas énormément d'informations sur la jeunesse, sur le temps qu'a mis Ambroise Thomas pour écrire son opéra. On sait qu'en 1863, une version en quatre actes est prête. Version en quatre actes avec le rôle-titre écrit pour ténor. Ça, c'est très important, pour ténor. Et puis, pour une raison qui nous échappe, cette version de 1863 ne trouve pas preneur. Il l'a destinée au théâtre lyrique et finalement, le théâtre lyrique ne prend pas l'œuvre. Et donc, qu'est-ce que va faire Ambroise Thomas ? Eh bien, il va décider tout simplement d'écrire un autre opéra qui sera Mignon. Il écrit Mignon, qu'il crée, je le répète, en novembre 1866 avec un énorme succès à l'Opéra Comique. Et fort de ce succès, eh ben, l'Académie impériale, Salle Le Pelletier, s'intéresse à Thomas et lui dit « Mais pourquoi tu n'écrirais pas pour nous ?» Et donc, que fait Thomas ? Ben, il dit, il se replonge dans Hamlet et il décide, par contre, d'adapter cette version. Pourquoi ? Parce qu'en passant du théâtre lyrique à Salle Le Pelletier, ben, les exigences ne sont plus les mêmes. Il y a un carnet des charges. Ce cahier des charges, c'est quoi ? C'est grand opéra romantique en cinq actes avec forcément un ballet. Donc, qu'est-ce que va faire Ambroise Thomas ? Eh ben, il va revoir sa copie quatre actes, il va diviser son quatrième acte en deux et nous donner un quatrième et un cinquième acte. Et dans le quatrième acte, il va écrire essentiellement la musique de ballet pour étoffer le quatrième acte. Voilà comment on passe d'une version de quatre actes à une version en cinq actes. Autre modification absolument fondamentale, c'est que Thomas décide de passer pour le rôle-titre de la tessiture de ténor à la tessiture de baryton. Pourquoi ? Parce qu'en 1867, il y a eu Don Carlos de Verdi. Dans Don Carlos, il y a un grand rôle pour baryton, le marquis de Posa. Or, le célèbre baryton Jean-Baptiste Faure a triomphé dans ce rôle. Et donc Thomas se dit que ce serait formidable d'avoir Jean-Baptiste Faure dans le rôle d'Hamlet. D'ailleurs, Jean-Baptiste Faure, qui était tellement connu à l'époque, que Manet l'a immortalisé. Il y a un très beau tableau de Manet autour du personnage de Jean-Baptiste Faure. Et donc, du coup, c'est Jean-Baptiste Faure qui va créer le personnage d'Hamlet en mars 1868, Salle Le Pelletier. Alors, l'œuvre va connaître un très gros succès public. En revanche, la critique va être très divisée pour deux raisons. La première, c'est qu'il trouve que l'adaptation de Shakespeare n'est pas une bonne adaptation. Il y a une trahison du grand auteur Shakespeare, première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il trouve que la musique, pour certains critiques en tout cas, est trop académique. Et oui, pendant très longtemps, Ambroise Thomas aura cette étiquette de compositeur académique, car compositeur proche du pouvoir, proche de Napoléon III, proche de l'autorité du Second Empire. Cela n'empêche pas l'œuvre de s'imposer au répertoire, d'abord à Paris, et puis progressivement en Europe. En 1869, une nouvelle version est proposée à Covent Garden, traduite en italien, mais avec une fin, on va le voir, mais qui est plus conforme à la volonté de Shakespeare. Mais cette version en italien ne sera pas pérenne, c'est la version française qui va véritablement s'imposer à peu près jusqu'à la fin du XIXe siècle, à telle enseigne que lorsqu'Ambroise Thomas meurt, l'œuvre a été donnée près de 300 fois Salle Le Pelletier, ce qui est absolument énorme. Et puis l'œuvre connaît une disparition totale jusqu'au milieu des années 70. L'œuvre disparaît des écrans. Et puis, ce sont les Américains qui redécouvrent l'œuvre, et notamment un très grand baryton qui s'appelle Sheridan Mines, qui va devenir un titulaire régulier du rôle d'Hamlet. Et puis donc, l'œuvre va de nouveau s'imposer au répertoire, va passer l'Atlantique, va revenir en Europe, et puis ensuite, elle va finalement s'imposer en France, à telle enseigne que sur ces dernières 10 années, depuis 2010, j'ai compté 4 nouvelles productions d'Hamlet sont sorties, ont été données sur les différentes scènes européennes. Donc, bien comprendre que l'œuvre, depuis, je dirais, une douzaine d'années, s'impose véritablement sur les grandes scènes européennes et également en France. Voilà, très rapidement, brossé la genèse et le parcours d'Hamlet. Alors, de quoi ça parle ? Nous sommes à Elsener, au royaume d'Elsener, au Danemark. Et
au moment où l'opéra commence, Claudius vient d'épouser, a été fait roi et a épousé Gertrude. Alors pourquoi Claudius a été fait roi ? Parce que son frère est mort dans des circonstances qui sont extrêmement troubles. Or il se trouve que Gertrude était la femme du frère de Claudius. Donc elle épouse ensuite son beau-frère. Gertrude devient la femme de Claudius après avoir été la femme de son frère. Et Hamlet, le fils de Gertrude et du roi qui est mort dans des circonstances étranges, refuse ce remariage et a du mal à accepter la mort de son père et le fait que Claudius soit devenu roi. Et donc, il ne veut pas participer aux célébrités qui tournent autour du couronnement et du mariage, au remariage de Gertrude avec Claudius. Et un soir, il va, le spectre de son père va lui apparaître. Et ce spectre va lui révéler ce qui s'est passé. À savoir, tout simplement, que son père n'est pas mort dans des circonstances mystérieuses, mais qu'il a bien été assassiné par Claudius avec la complicité de Gertrude. Et là, bien évidemment, Hamlet ne le supporte pas. Et comme il ne le supporte pas et qu'il a la vengeance dans la tête, il s'éloigne progressivement de celle qu'il aime profondément et qu'il aime lui aussi, qui s'appelle Ophélie et qui est la fille du chambellan de Claudius, qui s'appelle Polonius. Et progressivement, alors qu'au départ, il aime profondément Ophélie, il s'en détache progressivement, je le répète, parce qu'il n'a qu'une idée dans la tête, c'est venger la mort de son père. Et il va faire venir au château une troupe de comédiens auquel il va faire jouer donc une pantomime qui s'appelle « Le meurtre de Gonzague ». Et dans cette pantomime, eh ben, tout simplement, Hamlet va tendre un miroir à Claudius et à Gertrude. C'est-à-dire que les comédiens vont en gros jouer l'assassinat d'un roi par un homme qui prétend justement lui succéder avec la complicité de la femme du roi assassiné. Et donc, du coup, très rapidement, Claudius, mais aussi Gertrude, vont comprendre que Hamlet sait quelque chose. Alors, ils mettent ça sous le compte de la folie, mais ils comprennent que Hamlet sait quelque chose. Et ce Hamlet, justement, a la possibilité, notamment au troisième acte, de tuer Claudius. Et il ne le tue pas parce que, tout simplement, il le remet à plus tard. Il hésite, il ne veut pas le tuer tout de suite. Il a pourtant la possibilité de le faire, mais il ne le fait pas. Et puis ensuite, il y a une scène absolument saisissante face à sa mère, Gertrude. Face à sa mère, où il lui demande règlement de compte, il lui fait comprendre qu'il sait tout. Gertrude demande pardon à Hamlet, elle implore son pardon, et au moment où Hamlet veut également sacrifier sa mère, le spectre apparaît pour dire à Hamlet, ne tue pas ta mère, reporte-le, elle sera condamnée par l'au-delà, donc ce n'est pas nécessaire de la tuer, si je puis dire, de son vivant. Et donc Hamlet renonce à tuer sa mère. Mais que devient notre Ophélie ? Eh bien, Hamlet a également encore plus rejeté Ophélie. Il lui a fait comprendre qu'il ne peut pas être à elle et donc il l'a incité à aller au couvent. Ophélie est désespérée. Au quatrième acte, alors qu'une fête paysanne bat son plein, Ophélie est là, elle chante un chant extrêmement mélancolique et nostalgique, de grande tristesse, de regret. L'amour, elle chante l'amour pour Hamlet, et en même temps, elle sait que les choses sont inexorables, et elle va, alors qu'ils sont proches d'un lac, elle se penche au-dessus du cours d'eau, et elle tombe dans l'eau, et son corps est emporté par les ondes. Suicide ou pas, on ne le saura jamais, en tout cas, elle tombe et elle meurt. Au dernier acte, Hamlet apprend la mort d'Ophélie, dans des circonstances tragiques. Puisque, entre-temps, je ne vous ai pas parlé d'un personnage, Laërte, qui est le frère d'Ophélie, qui est parti pour le Danemark, il a été envoyé par la cour du Danemark en Norvège, je veux dire, il est revenu de son voyage et il avait confié à Hamlet sa sœur Ophélie, un peu comme le fait Valentin dans Faust. Et il revient au cinquième acte et là, il affronte Hamlet en lui disant, tout simplement, il veut réparation parce que lui a appris la mort de sa sœur. Alors que Hamlet, et c'est un quiproquo, ne sait pas encore qu'Ophélie est morte. Il pense tout simplement que si Laërte veut se battre avec lui, c'est tout simplement parce que Hamlet a délaissé sa sœur. Et non, il va apprendre à ses dépens que c'est bien pire que ça. Ophélie est morte parce qu'il entend la procession funéraire. Et la première chose à laquelle il pense, Hamlet, c'est de se suicider. Mais le spectre apparaît, le spectre lui rappelle son devoir, et Hamlet tue Claudius, et il est fait ensuite roi du Danemark. Et l'opéra se termine de cette façon. Alors, on voit bien que lorsque je vous parle de cette fin,
La fin est différente de celle de Shakespeare pour ceux qui ont lu Hamlet. Normalement, dans le texte de Shakespeare, Hamlet se suicide sur le corps d'Ophélie. Et donc, beaucoup d'observateurs à l'époque ont considéré que c'était une immense trahison que d'imaginer que Hamlet reste vivant. Or, les librettistes se sont contentés de s'appuyer sur l'adaptation qui avait été faite par Alexandre Dumas père de la pièce de Shakespeare. C'est dans l'adaptation de Dumas que l'on trouve cette liberté prise avec la pièce de Shakespeare, avec un Hamlet qui reste vivant et qui est couronné roi. Je referme la parenthèse. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de comprendre, d'analyser un tout petit peu l'adaptation faite par les librettistes. Parce que, globalement, la grande critique qui a été faite à l'époque, je le répète, ce n'est pas seulement au niveau de la fin, mais une trahison globale de la pièce. Est-ce véritablement le cas ? Ben non, ce n'est pas véritablement le cas. Alors, oui, c'est vrai, il y a certaines libertés. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est que les librettistes ont adapté la pièce de Shakespeare, ont respecté l'essentiel des péripéties, ont gardé la structure en cinq actes. La seule chose qu'ils se sont contentés de faire, comme la plupart des librettistes de l'époque, c'est d'adapter une pièce, comme on adapte un roman, à l'opéra, avec ses conventions, avec les conventions du genre et non les conventions de l'opéra à numéro. Ils n'avaient pas d'autre choix que de le faire. Donc, les adaptations qu'ils ont faites sont des adaptations qui sont extrêmement habiles et qui s'imposaient du fait du passage d'une pièce de théâtre à tout simplement un opéra. Alors oui, bien sûr, il y a des transformations, c'est-à-dire que les librettistes vont opérer une concision dramatique pour une plus grande efficacité théâtrale et dramatique, ils vont également supprimer des personnages, ils vont simplifier d'autres personnages, ils vont supprimer le contexte historique, le contexte politique, le substrat philosophique, mais c'est normal, parce qu'un livret d'opéra se doit d'être plutôt linéaire pour permettre à un public qui n'est pas forcément versé dans ce genre de pouvoir suivre confortablement l'intrigue. Or, la pièce de Shakespeare ne se prête pas à ça. C'est une pièce philosophique, c'est une pièce avec plein d'ambiguïtés, to be or not to be, that is the question, donc plein de questions, et les librettistes, c'est vrai, vont se permettre de simplifier les choses pour que la trame dramatique soit la plus facile à suivre. Donc, c'est vrai que le substrat philosophique va être retiré. Ils vont changer la fin. Mais ça, je le répète, ils s'inspirent de l'adaptation faite par Alexandre Dumas père. Et puis, ils vont déplacer aussi le centre de gravité. C'est-à-dire que dans la pièce de Shakespeare, la thématique centrale, c'est la thématique de la vengeance. Il faut d'abord et avant tout pour Hamlet se venger. Que font les librettistes ? Eh bien, on s'adresse à un public bourgeois du XIXe siècle. Et il y a une thématique qui fonctionne très bien dans l'opéra romantique. C'est l'histoire d'amour. Et donc, le centre même de l'œuvre d'Hamlet, d'Ambroise Thomas, c'est tout simplement l'amour. L'amour, certes, malheureux, l'amour qui entraîne du dépit, qui entraîne la tragédie, mais pour autant, le sentiment amoureux qui unit Hamlet et Ophélie. De sorte que, non seulement le personnage d'Hamlet est très important, il est omniprésent dans l'opéra d'Ambroise Thomas. Il est présent sur les cinq actes. Mais également, le personnage d'Ophélie va être considérablement développé. Elle est présente sur quatre actes, seul le cinquième acte, puisqu'elle est morte au cinquième acte. Mais sur les quatre premiers actes, elle est très présente, et puis en plus, elle a une scène de folie qui est tout à fait fascinante et qui est extrêmement rémunératrice pour les grandes cantatrices qui interprètent le rôle d'Ophélie. Donc du coup, on déplace le centre de gravité et on met au centre de l'intrigue, d'un côté, le personnage d'Hamlet et de l'autre, le personnage d'Ophélie. Donc, globalement, c'est une adaptation qui est une adaptation extrêmement habile, qui n'est pas totalement fidèle, c'est le moins qu'on puisse dire, à la pièce de Shakespeare, mais qui fonctionne très bien pour ce à quoi elle est destinée, cette adaptation, c'est-à-dire le théâtre et l'opéra. Et je voudrais vous lire juste donc, un commentaire qui a été fait par donc, les librettistes, Jules Barbier, donc, et Jules Barbier et donc son acolyte, Michel Carré, sur cette adaptation. Voilà ce qu'ils disent, qui est très intéressant. Refusera-t-on à la musique ce que l'on accorde à la peinture et à la sculpture, le droit de prendre pour sujet de ces inspirations des types déjà vulgarisés par la poésie ? Rien peut-il remplacer cette longue intimité de la foule avec des personnages qu'elle s'est habituée à connaître, à admirer, à aimer,
et dont elle est heureuse de retrouver la silhouette sous l'archet du musicien, comme sous la brosse du peintre. Faut-il interdire à Marguerite, à Juliette, à Ophélie, à Mignon, à Virginie, d'apparaître sous cette forme nouvelle? Personne n'oserait le soutenir. Eh bien, nous ne sommes que les intermédiaires entre le poète original et le musicien, et quand nous aurons accompli notre tâche en artiste et en écrivain, on nous jettera la pierre au lieu de nous savoir gré de notre abnégation. Soit, mais gardons au moins des témoins, Massé, Thomas, Gounod, pour nous rendre justice et dire ce que vaut notre travail. Travail d'élimination, de choix, de concentration, de synthèse, beaucoup moins facile qu'il ne semble à ceux qui ne l'ont pas abordé. Voilà, je trouve que c'est un plaidoyer pour donc, l'adaptation faite par ces deux librettistes qui est tout à fait formidable et qui est finalement tout à fait juste. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé du livret, parlons maintenant de la musique et levons d'une certaine façon une deuxième problématique. Il y avait la problématique du livret, comme je vous l'ai expliqué, le livret qui n'est pas fidèle à Shakespeare. Barbier et Carré, on parle très bien, explique pourquoi l'adaptation est ainsi. Il y a maintenant la musique. Or, il se trouve que, là encore, à l'époque, comme je vous le disais, Ambroise Thomas est taxé de compositeur académique. Il y a d'ailleurs des phrases qui sont extrêmement dures, qui ont été dites notamment par Chabrier, Emmanuel Chabrier, qui dit à propos d'Ambroise Thomas, « Je ne connais que trois sortes de musique, la bonne, la mauvaise et celle de Monsieur Ambroise Thomas. » C'est une étiquette qui collera donc à Ambroise Thomas pendant très longtemps. On a également Tchaïkovski lui-même, qui en 1872, à l'occasion de représentation d'Hamlet en Russie, va faire toute une critique de l'opéra Hamlet, et voilà ce qu'il dit. Ambroise Thomas est un musicien expérimenté, qui a affiné au maximum ses capacités limitées, qui a parfaitement maîtrisé la partie technique de son métier, mais qui est totalement dépourvu de toute personnalité. Sa musique est cousue de pièces empruntées à Meyerbeer, à Gounod, à Verdi, à Aubert, et elle est cousue si habilement qu'on ne pourrait déterminer où s'arrête un emprunt et où commence l'autre. Ça, ce sont les grands reproches faits à Ambroise Thomas. En fait, ce qu'on lui reproche, c'est ce que tous les compositeurs font à cette époque, sans aucune exception. C'est-à-dire, un, emprunter la forme du grand opéra romantique. Et oui, nous sommes Salle Le Pelletier. Thomas n'a pas le choix. Donc, on a un opéra en cinq actes, avec un ballet, obligé, avec une grande histoire romantique, avec de grandes voix, un grand orchestre narratif. Ce sont tous les codes de ce que l'on appelle le grand opéra romantique. Et puis également, une alternance de scènes spectaculaires, et Dieu sait s'il y en a dans Hamlet, et de scènes plus intimistes. Cahier des charges que rempliront tous les compositeurs, y compris Verdi, dans Don Carlos. Donc, le reproche qui est fait à Ambroise Thomas est un reproche que l'on pourrait faire à tous les autres compositeurs, c'est une évidence. Que lui reproche-t-on ensuite? On lui reproche, comme le dit Tchaïkovski, d'emprunter aux anciens. Mais combien de compositeurs font la jonction entre les anciens et les modernes? Ce sont des passeurs, en quelque sorte. Et Ambroise Thomas l'a été, étant donné qu'il a été professeur au conservatoire et notamment professeur de Jules Massenet. Quand on écoute la musique d'Ambroise Thomas, on comprend tout ce que Massenet, finalement, doit à Ambroise Thomas. Donc, on s'inscrit dans une continuité. On ne fait pas table rase du passé. Et Ambroise Thomas fait partie de ces compositeurs qui se sont inspirés d'une certaine façon des anciens, des grands anciens, je le répète, que ce soit Aubert, que ce soit Verdi, que ce soit Meyerbeer, que ce soit Gounod, il n'y a pas de honte à s'inspirer de ces très grands compositeurs. Mais ce qu'oublient de dire les détracteurs d'Ambroise Thomas, c'est ses grandes qualités. Tchaïkovski l'évoque rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a parfaitement maîtrisé la maîtrise technique. Et c'est là, bien évidemment, où les qualités d'Ambroise Thomas apparaissent. Ambroise Thomas est un immense orchestrateur. Et en ça, il s'inscrit dans la continuité d'un Berlioz. Et pour cause, Berlioz était un admirateur d'Ambroise Thomas. Je vous cite Berlioz, il dit la chose suivante. Ambroise Thomas est l'un de nos compositeurs les plus distingués. J'éprouve un très grand plaisir à entendre cette musique vive, alerte, piquante, toujours distinguée, toujours bien en scène, instrumenté de main de maître, avec éclat mais sans excès,
avec variété mais sans recherche, écrite partout avec goût et savoir. Incontestablement, lorsque l'on est salué par Berlioz, c'est quand même quelque chose de très important, Berlioz étant cet immense orchestrateur que l'on sait, il a écrit un traité d'instrumentation, qui a suivi notamment Wagner. Wagner est un grand admirateur de Berlioz, et on sait que finalement, Wagner a payé un très lourd tribut à Berlioz, incontestablement, même si certains ne veulent pas le reconnaître. Donc, Berlioz sait reconnaître les grandes vertus d'Ambroise Thomas et notamment les grandes qualités de son orchestration, incontestablement. En quoi son orchestration est remarquable? D'abord, Ambroise Thomas s'est passionné pour toutes les nouveautés, pour le facteur d'instrument qui était Adolphe Sax. Et il est au courant de toutes les nouveautés, il s'intéresse à toutes les nouveautés. Et donc, dans son opéra, on a quoi? On entend notamment un saxophone, un solo de saxophone pendant la pantomime du deuxième acte, qui est tout admirable. C'est un immense moment que la pantomime d'un point de vue musical. La pantomime, et c'est le saxophone qui porte cette pantomime. Saxophone que l'on utilisait très peu dans les orchestrations de cette époque-là. Il va utiliser également le saxhorn, qui fait partie des mêmes instruments que le tuba. Il va également utiliser des trompettes chromatiques. Il va utiliser également des trombones à pistons. Tout ça pour donner justement une plus grande finesse à sa musique. Trombone chromatique qui permet d'aller par demi-ton, ce qui ne se faisait pas véritablement avant. Et donc, du coup, il apporte une science de l'orchestration qui est tout à fait exceptionnelle. Et d'ailleurs, il y a un solo de trombone au début de la scène du spectre qui est tout à fait remarquable. Je crois qu'il n'en existe pas 10 solos de trombone dans l'histoire de la musique, en tout cas dans le domaine de l'opéra. Ambroise Thomas a écrit un solo pour trombone qui est tout à fait remarquable. De même, l'utilisation de la petite harmonie, des bois, aussi bien l'utilisation des flûtes, des clarinettes, du hautbois, des bassons, et puis plus globalement des vents, je le disais, trombone, saxophone, etc. Donc, sa science de la coloration instrumentale est tout à fait remarquable et elle témoigne d'une science, bien évidemment, du théâtre, d'une science consommée du théâtre. Car bien sûr, la coloration instrumentale permet de créer un climat, permet de créer une atmosphère, de définir des profils psychologiques et donc de faire en sorte que l'œuvre soit fondamentalement, fortement théâtrale. Je voudrais vous citer également une autre phrase qui est tout à fait... À propos de l'orchestration d'un critique qui s'appelait Maurice Cristal et qui soulignait combien Ambroise Thomas donc composait comme un peintre. Et il dit « La distribution harmonieuse des tons, de la physionomie changeante de la mélodie autour de laquelle l'instrumentation se renouvelle sans cesse comme une parure prismatique qui ondoie au soleil. » On croirait presque qu'il parle de l'instrumentation de Debussy. C'est incroyable. C'est la vérité. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'il dit qu'il compose comme un peintre. Et oui, en fait, Ambroise Thomas a des images dans la tête et il traduit musicalement ces images. Ce qui explique pourquoi sa musique est une musique qui a de l'effet, en quelque sorte. C'est une musique extrêmement évocatrice. Et en ça, il prépare le terrain à Massenet, qui lui-même a une musique très évocatrice. On sait combien Massenet écrivait aussi avec des images devant les yeux. Il s'appuyait sur des images, il avait une approche très visuelle de la musique, il s'appuyait sur des images pour les traduire musicalement. Il a eu comme maître Ambroise Thomas et je pense qu'Ambroise Thomas lui a transmis cette façon, ce rapport de la musique, si je puis dire, à la peinture, au côté plastique, au côté pictural. Et d'ailleurs, autre élément aussi qui explique pourquoi la musique d'Ambroise Thomas est si théâtrale, elle est si efficace, c'est qu'il a composé pour la danse, il a composé pour le ballet. Et forcément, quand on compose pour la danse, on doit écrire une musique qui soit la plus évocatrice possible, en quelque sorte, qui renvoie bien évidemment à une gestuelle, à la gestuelle, les corps, la danse, la chorégraphie. Et donc, ce travail sur la danse, cette écriture pour la danse, pour le ballet, a beaucoup aidé Ambroise Thomas dans cette efficacité, dans ce caractère évocateur de son orchestration. Donc, c'est très important de comprendre que la grande force d'Hamlet, finalement, c'est l'orchestre. C'est d'abord et avant tout l'orchestre, et on ne le dit pas suffisamment.
Un orchestre qui est narratif, un orchestre qui offre également des motifs conducteurs. Alors, c'est pour ça qu'on a taxé la partition d'Ambroise Thomas de wagnériste, parce qu'il y a à peu près une quinzaine de motifs conducteurs dans la partition, mais ce ne sont pas des motifs conducteurs qui sont utilisés de façon aussi systématique que chez Wagner. Ils sont là pour justement un effet purement théâtral. Ils sont parfaitement en situation. Mais pour autant, il y a des motifs conducteurs. Donc, on a donc une science très, très élaborée, en fait, de l'orchestration. Et puis, il y a bien évidemment le travail sur les voix, qui est également tout à fait intéressant, ce travail chez Ambroise Thomas. Alors, il n'invente rien, puisqu'il s'inscrit dans une continuité, celle notamment de Meyerbeer. Dans les opéras de Meyerbeer, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve deux choses. On trouve, d'un côté, le chant ornementé à l'italienne, confié généralement donc à une soprane coloratour. Dans les Huguenots, par exemple, typiquement, Marguerite de Valois a un rôle qui est un rôle extrêmement, j'allais dire, pyrotechnique, un rôle qui exige une coloratour extrêmement habile. Ça, c'est pour le personnage féminin. Et puis, également, la grande tradition de la déclamation lyrique à la française, héritée de Lully, héritée de Rameau, héritée de Gluck. Grande déclamation où on fait un sort à chaque mot. Or, l'originalité d'Ambroise Thomas, c'est de faire en sorte que ce récitatif devienne presque une conversation en musique. Il anticipe sur la notion de conversation en musique. Il apporte finalement dans le récitatif extrêmement beaucoup de fluidité. Et son élève, Massenet, se souviendra justement également de ces leçons-là. Puisque ce qui fait le charme aussi des opéras de Massenet, c'est cette authenticité, en quelque sorte, du récitatif, de cette déclamation qui est très naturelle, qui est très spontanée, hein, où il y a un rapport extrêmement étroit entre le mot et la note. Et ben, chez Ambroise Thomas, on trouve déjà ce formidable travail entre le mot et la note, cette musicalité en quelque sorte du langage qui donne un sentiment de naturel et qui bien évidemment aussi renforce l'expressivité des personnages. Alors c'est vrai que du coup, il y a d'un côté un rôle qui est très rémunérateur, qui est celui d'Ophélie, parce que c'est un rôle qui est virtuose. Elle a deux grands airs à défendre, un grand air au début de l'acte 2 qui est magnifique, et puis ensuite ce grand air à l'acte 4 qui occupe une grande partie de l'acte 4 qui est l'air de la folie, avec en deuxième partie d'air notamment une ballade qui est une ballade suédoise, parce que la créatrice du rôle d'Ophélie était une Suédoise, Christine Nilsson, et donc du coup, Ambroise Thomas a écrit une ballade suédoise qui est tout à fait remarquable, qui est magnifique, une ballade en couplet, et donc, c'est un rôle extrêmement rémunérateur. Et puis, on a le rôle d'Hamlet. On a les autres rôles aussi, Hamlet. Or, le rôle d'Hamlet est un rôle qui est un rôle essentiellement déclamé. Il n'a pas d'air virtuose, bien sûr. Tout est dans l'expression. Tout est dans la palette expressive. La grande force, il faut pour Hamlet, un interprète qui sache rendre justice à la musicalité du langage, bien sûr, à la déclamation, et y introduire toute l'expressivité nécessaire. Hein, tout l'éclat aussi nécessaire, parce que le personnage d'Hamlet est non seulement un personnage qui est parfois sombre et tourmenté, mais qui a parfois ses colères, et ses colères exigent de l'éclat. Donc, c'est une palette expressive qui est extrêmement large et qui explique pourquoi, qui rend le rôle fascinant et qui explique pourquoi beaucoup de barytons ont voulu s'attaquer à ce rôle, qui est un des plus beaux rôles pour baryton du répertoire. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur cette œuvre. Donc, vous l'aurez compris, c'est une œuvre qui est passionnante, c'est une œuvre qui est ancrée dans son époque, c'est une évidence, le grand opéra romantique, mais qui a d'immenses qualités, que ce soit des qualités orchestrales, je l'ai suffisamment souligné, mais aussi des grandes qualités vocales avec ce merveilleux travail sur la déclamation lyrique et puis ce rôle, si je puis dire, pyrotechnique confié, mais pas seulement, confié l'amoureuse Ophélie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de la mise en scène? Puisque le spectacle est mis en scène par Christophe Warlikowski. Alors, il faut savoir une chose déjà intéressante, mais qui n'est pas neutre. C'est que si c'est la direction qu'a choisi Ludovic Tézier pour camper le rôle d'Hamlet, on y reviendra, mais vous connaissez tous Ludovic Tézier, c'est Ludovic Tézier qui a choisi Christophe Warlikowski. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé avec lui sur le Don Carlos. Et la collaboration entre les deux artistes s'était extrêmement bien passée.
Thésier avait trouvé que le travail que Warlikowski avait fait sur le marquis de Posa, l'ambiguïté du marquis de Posa, et ce travail l'avait beaucoup passionné, et donc il souhaitait retravailler avec Christophe Warlikowski. Et donc, lorsque la direction a proposé à Ludovic Thésier de chanter le rôle d'Hamlet, il a accepté, mais à une condition, c'est que Christophe Warlikowski fasse la mise en scène. Pourquoi ce n'est pas neutre? Parce que, on peut attendre avec impatience justement le travail, la collaboration qui va naître de cette nouvelle rencontre entre Thésier et Warlikowski. Ce n'est pas la même chose qu'un artiste chante avec un metteur en scène qu'on lui impose et chante avec un metteur en scène qu'il a lui-même choisi. C'est très important de comprendre la différence dans la dimension dramatique qu'il va y avoir, dans l'implication en quelque sorte de Ludovic Thésier. Il est déjà très souvent, il est toujours impliqué. Mais là, tout particulièrement parce que le projet lui tient à cœur et qu'il aime travailler avec ce metteur en scène. Je referme la parenthèse. Alors maintenant, que va-t-il faire? D'après ce que je sais, projet de Christophe Warlikowski. L'idée, c'est quoi? D'abord, avant de vous parler, donc de développer, je vais vous proposer un petit extrait vous le trouvez sur le site internet. C'est une interview donné par Christophe Warlikowski. Je vous en passe à peu près 1 minute et demie, 2 minutes, mais je pense qu'il est suffisamment explicite sur son projet. Vous me dites si vous voyez, je vous passe. Le procédé, c'était de réécrire un opéra sur la base de Shakespeare avec des coupures nécessaires puisque ça serait trop long. L'essence, c'est comment chercher un Hamlet plus proche de nous, humain, aujourd'hui, et chercher quand même Hamlet avec le chanteur. Ludovic Thésier, un Hamlet à sa taille et de sa dimension. Ça a été écrit pour un baryton, un grand baryton de l'époque. On est beaucoup moins romantique que ça devrait être. Ludovic n'est pas romantique non plus. Donc il y a un grand défi pour nous deux pour faire un Hamlet qui parle d'aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, que le titre ici est aussi fort, si ce n'est plus fort, que l'œuvre Hamlet pour l'opéra. Donc il y a d'abord le spectre de cette pièce de Shakespeare. Le théâtre nous a donné des impossibilités comme de voir un dieu. Ou bien le théâtre nous a donné la vision de mon père mort. J'imagine, pour un metteur en scène, c'est là qui attire plutôt que l'œuvre d'Ambroise Thomas. Donc après, grand opéra français condamne cette histoire à la mettre dans un cadre grandiose avec les couronnements, tout ça, tout ça. L'hôpital psychiatrique comme lieu, ça ne veut pas dire forcément qu'Hamlet est fou. Cette institution servait parfois aux gens pour se cacher devant le monde. Cette institution, c'était parfois une institution pour détruire la vie de quelqu'un. Ça peut être un instrument dans les mains de pharaons d'aujourd'hui. Comment se débarrasser de quelqu'un quand on accuse quelqu'un de la folie. Donc finalement, ma version est plus mentale. Voilà, donc concernant donc, les explications, si je puis dire, faites par donc Christophe Warlikowski sur cette mise en scène d'Hamlet. Alors, quelques petites précisions et ensuite nous parlerons de la distribution et la direction musicale. En fait, l'idée, quand il dit qu'il transpose dans un hôpital psychiatrique, c'est l'idée que Hamlet, à la suite de son couronnement, a basculé dans la folie et qu'il a été interné. Et au moment où l'opéra commence, Hamlet, ça se passe 30 ans après, c'est-à-dire il a vieilli et il va se souvenir. Le premier acte, il se souvient.
il se souvient de ce qui s'est passé. Donc, il y a deux leviers que va utiliser Christophe Varlikovski. C'est le levier de la mémoire et puis celui de la folie. Et donc, on est dans les années à peu près 80 du XXe siècle au tout début, et puis ensuite, on bascule 30 ans, on revient 30 ans en arrière pour tous les autres événements dans les années à peu près 50. Donc, Varlikovski, en gros, transpose l'essentiel de l'opéra dans les années 50 dans un hôpital psychiatrique. Et il va faire en sorte que tous les événements qui se passent, toutes les péripéties, se passent dans un décor finalement unique, avec des espaces qui sont délimités différemment, des pans de décor qui descendent en fonction des situations, mais pour autant, on est dans un espace unique qu'est l'espace psychiatrique. Et on retrouve bien sûr les thèmes de prédilection qui sont chers à Varlikovski, c'est-à-dire dans toutes ces mises en scène, bien sûr la psyché, la délimitation entre, enfin qui n'est pas de délimitation entre la réalité et la fiction, donc le dérèglement psychologique, la notion de anti-héros aussi qu'on retrouvait beaucoup dans Don Carlos, c'est-à-dire l'idée que finalement Hamlet est un peu un loser puisque à chaque fois il a l'occasion de tuer et puis finalement il ne le fait pas, il remet à plus tard la vengeance. Donc Varlikovski a tendance à penser que le personnage d'Hamlet est un peu un loser. Donc on a véritablement, avec aussi des projections vidéo qui sont les traductions justement de cette psyché, cauchemar, rêve, etc. Voilà. Donc, on est dans un univers, on va être dans un cadre qui, si je puis dire, est typiquement Varlikovski. Alors après, en ce qui concerne la distribution, on a vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans ce répertoire. En tout cas, pour les deux rôles principaux. Puisque dans le rôle d'Hamlet, nous aurons Ludovic Tézier, qui est ce baryton exceptionnel que l'on sait, qui est extraordinaire dans le répertoire italien, puisqu'il est donc peut-être le plus grand baryton verdien actuel, mais il est également un immense styliste dans le répertoire français. Ce n'est pas la première fois qu'il chante le rôle d'Hamlet, puisqu'il l'a chanté à Toulouse il y a quelques années, et puis ensuite il l'a chanté à Turin. Donc ce n'est pas la première fois qu'il chante ce rôle. Et puis nous aurons, dans le rôle d'Ophélie, en alternance, vous aurez la première distribution, donc je vais parler donc de la première artiste, le deuxième vous ne l'aurez pas, Lisette Oropesa. Alors Lisette Oropesa, très grande soprane américaine qui a maintes fois chanté chez nous ces dernières années, et notamment, comme par hasard, elle a chanté une très grande Marguerite de Valois dans Les Huguenots de Meyerbeer. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que le rôle était finalement écrit de la même façon que celui d'Ophélie, aussi virtuose d'une certaine façon, avec cette voix légère, avec cette capacité d'ornementation, en même temps une immense sensibilité. Et donc, Oropesa a triomphé dans le rôle de Marguerite de Valois lorsqu'on a donné Les Huguenots. Et donc, elle sera incontestablement parfaite dans le rôle d'Ophélie. Pour le reste, nous avons dans le rôle de Claudius, qui est écrit pour une basse Jean Tedgen, qu'on connaît bien, qui chante très régulièrement à l'Opéra de Paris. On aura dans le rôle de Gertrude, qui est écrit pour une mezzo, Ève Maudubeau, et dans le rôle de Laërte, le ténor Julien Maire, puisque Laërte est écrit pour un ténor, et Gertrude, comme je l'ai dit, est écrit pour une mezzo. Ce qui est très intéressant, c'est avoir, en dehors de Lisette Oropesa, mais qui maîtrise très bien le français, on a une distribution qui est francophone. Et ça, c'est absolument fondamental, puisque je vous ai dit que la déclamation lyrique était très, très importante dans Hamlet, comme cette déclamation l'est également dans les grands opéras romantiques français. Nous aurons la direction musicale de Pierre Dumousseau. Alors, à l'origine, ça n'était pas Pierre Dumousseau qui devait donc diriger, et c'est lui qui dirige finalement donc ces représentations d'Hamlet, et c'est très intéressant parce que Pierre Dumousseau est un jeune chef d'une trentaine d'années qu'il a donc été récompensé aux Victoires de la musique classique en 2022, donc le prix du meilleur chef d'orchestre. C'était la première fois qu'on décernait ce prix dans le cadre des Victoires de la musique classique. Et également, il dirige souvent le répertoire français, très bien le répertoire français, et il a notamment dirigé deux fois Ambroise Thomas, il a dirigé Hamlet à Nantes, et il a dirigé Mignon à Munich. Donc, il connaît vraiment très bien Ambroise Thomas, ce qui est quand même très important. Voilà. Donc, c'est une chance pour nous d'avoir Pierre Dumousseau à la tête de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Ça sera la deuxième fois qu'il dirige l'Orchestre de l'Opéra. La première fois, c'était dans un hommage à Jérôme Robin. Je crois que c'était en 2021 parce qu'il dirige aussi le ballet. Dernier petit document que je vous propose, et pas des moindres,
j'ai trouvé un récital de Lisette Oropesa dans lequel elle chante l'air de la folie d'Ophélie, à peu près 3 minutes. Écoutez, c'est tout à fait remarquable. Magnifique que Lisette Oropesa dans le rôle d'Ophélie d'Hamlet d'Ambroise Thomas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette œuvre passionnante. Si vous voulez me poser des questions, je suis prêt à y répondre. Mesdames, messieurs, moi je voulais remercier pour l'ensemble de son œuvre et pour ce soir, M. Nicou. Parce qu'il donne envie d'aller voir quelque chose dont j'avais aucune idée. Donc, c'est une première pour nous, même si entre Thésier et Oropesa, on est assuré d'un bon résultat, mais il nous a vraiment donné envie d'aller voir. Donc, merci encore une fois, encore, M. Génicou, merci de votre enthousiasme. C'est vraiment c'est une œuvre passionnante. Hein. C'est une œuvre que moi, j'ai redécouverte récemment. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue. Donc, j'ai d'ailleurs regardé un document vidéo tout à fait remarquable, une production, une captation il y a quelques années avec Simon Kinneyside et avec Nathalie Dessay. Tout à fait, les deux sont absolument éblouissants. Et vraiment, ce qui m'a frappé, au-delà de la qualité des interprètes, hein, je le répète, l'orchestration. C'est-à-dire que mon oreille était en permanence à l'écoute des détails instrumentaux, ce qui est tout à fait remarquable parce qu'on n'est pas toujours amené à être comme ça, happé par les détails instrumentaux. Et là, ça m'a frappé que cette partition était tout à fait remarquable à ce sujet. Et on est tout le temps, à un moment, il y a notamment un dialogue entre la clarinette et les violoncelles qui est merveilleux. Toute la pantomime est tout à fait fascinante, musicalement parlant, est tout à fait fascinante. Vraiment, il y a de très, très grands... Alors, les voix, je le répète, bien sûr, c'est très important, on en parlait, hein, la distribution superbe, mais l'oreille aussi... Il faut être à l'écoute de cette diaprure, si je puis dire, de cette façon dont Thomas instrumente merveilleusement Shakespeare. Alors, au risque de continuer à parler, Jean-François, je suis désolé de parler encore, mais vous nous aviez parlé du rôle de Ludovic Thésier et de son choix, sa contribution au choix du metteur en scène. En fait, vous avez ouvert une porte à l'intérêt important qui est de savoir en fait comment on choisit
les artistes quand on a une représentation. Si on pouvait un jour, pas ce soir, mais si un jour on pouvait faire un numéro spécial où vous pouvez nous expliquer un petit peu les dessous de comment se passe lorsque l'on prépare un programme, entre les disponibilités, entre les compétences, entre le... en fait, c'est assez mystérieux pour nous. Nous, on choisit un programme, on le prend longtemps à l'avance, on ne sait pas toujours qui on va avoir. On se doute bien qu'il y a un très gros travail en amont. Et si on avait l'occasion un soir, je pense, je ne sais pas si ça peut intéresser beaucoup de gens, mais de connaître un petit peu, d'avoir la chance de pouvoir partager avec vous comment ça se passe, la réalité. On a différentes façons de savoir comment ça se passe quand il y a un empêchement. Ça, on a vu des vidéos sur le sujet, mais sur le choix pour la construction, moi, je serais intéressé. Alors, c'est tout à fait passionnant. Alors, c'est vrai que, alors, je reconnais en toute modestie que, alors, cette partie-là, je ne la maîtrise pas du tout pour une raison très simple, c'est que ça appartient à la direction. Donc, c'est la direction, en fait, c'est à ce niveau que ça se joue. Donc, si on faisait quelque chose, peut-être qu'un autre interlocuteur serait plus compétent que moi, ou moi, il faudrait que je fasse mon enquête derrière pour essayer de comprendre comment les choses s'articulent, parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. L'histoire de Thésier est tout à fait fascinante, c'est pour ça que je l'ai citée, parce que je l'ai appris, en fait, par hasard, lors d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un de la production. C'est comme ça que je l'ai su. Bon, sinon, je ne suis pas du tout au fait de cette articulation. Ce que je sais, c'est que les productions sont montées très longtemps à l'avance. Ça, c'est vrai, parce que tout simplement, les directeurs, parfois même, il y a des productions qui sont prévues 5 ans à l'avance. Ça se joue à cet ordre-là, 4-5 ans, parce que les saisons, hein, moi, par exemple, je peux vous dire que j'ai déjà vu quelles étaient certaines œuvres qui seraient choisies pour 25-26. Par exemple, vous voyez, c'est vous dire. Et on est en 2023. À dire, bien sûr. Comment ? Et vous ne pouvez pas partager, bien sûr. Là, pour le coup, c'est totalement confidentiel. Ça, là, pour le coup, je travaillerai totalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des saisons qui se construisent très, très longtemps à l'avance. Pour les distributions. C'est que si un directeur a une distribution en tête, les chanteurs, les très grands chanteurs ont des carnets de commandes qui sont très, voilà, très chargés. Et donc, il y a des chanteurs qu'il faut avoir très longtemps à l'avance. Voilà, donc ça c'est important. Mais en dehors de ça, une fois qu'on a dit ça, finalement je suis d'accord, on n'a pas dit grand chose, il y a plein d'autres choses qui se passent en coulisses, une articulation qui doit se trouver, et ça pour le coup, ça n'est pas mon domaine de compétence, mais ça je pourrais voir aussi en interne s'il y a quelqu'un qui pourrait parler de ça, mais en tout cas moi je me sens pas totalement compétent dans le domaine. Voilà. Mais c'est passionnant, je suis d'accord avec vous. Merci bien. On avait eu il y a quelques années une présentation de ce type par quelqu'un qui était à la Monnaie et qui du reste revenu de la Monnaie qui est maintenant à la Philharmonie de Paris et qui nous avait fait une présentation justement, c'était quoi hein, c'est donc ce que vous expliquiez Bruno, c'est-à-dire les 3 à 5 ans et qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est un mélange en fait de long terme et de court terme. Donc il y a le 3 à 5 ans, on imagine tout un tas de choses et puis bien entendu, rien n'arrive, c'est comme dans le bâtiment, hein, rien n'arrive comme prévu. Hein. Évidemment, quand on a de temps en temps, on a une telle, on a eu Marianne Crébassa qui était prévue, elle s'est retrouvée. Voilà, c'est très très bien. Bon, ensuite, on a celle qui a eu un problème de voix. Bon, voilà. Et certains sont arrivés 10 minutes avant de prendre le rôle, etc. Donc il y a la gestion du quotidien, enfin de l'extrême urgence, avec des gens qui sont dans la salle, on ne sait pas comment ils vont réagir. Enfin, voilà. Donc c'est un mélange à la fois de long terme et de court terme. On a eu d'ailleurs un exemple, juste parce que sinon je ne vais pas y penser, on a eu un exemple récemment, Tristan et Isolde, Michael Vagnus, le Tristan qui un soir est difficilement chanté, mais son remplaçant qui vient de Munich, le temps qu'il arrive, il fallait que le ténor assure le premier acte. Donc, Vanus a assuré le premier acte. Et ensuite, au deuxième et au troisième acte, c'est l'autre ténor qui est arrivé et donc qui a chanté sur le côté de la scène. Voilà. Donc, mais il a été obligé, Vanus a été obligé de chanter le premier acte parce que le temps que le ténor arrive de Munich. Voilà. Donc, il n'était pas sur place. Bon, c'est un exemple typique hein, de ce que vous dites. Exemple typique. Et donc c'est effectivement tout à fait fascinant, mais je pense qu'on va essayer de réorganiser ça, soit effectivement avec quelqu'un de l'Opéra de Paris, soit autrement, mais c'est un sujet qui sera tout à fait passionnant. Alors on avait, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions.
Je vois que nous avons un de nos anciens qui connaît très très bien l'opéra et notamment l'opéra à New York où il a été pendant des années. Jean, je ne sais pas si vous aviez une question particulière pour Bruno. Alors vous êtes en coupé là pour l'instant. Vous êtes en muet. Toujours en muet là. Voilà. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Bon, alors, je voulais remercier M. Nicou pour ces développements très, très intéressants. En ce qui concerne, puisque vous faites une allusion à ma vie d'opéra, j'ai découvert Hamlet sur le tard. J'ai connu Mignon très jeune, mais j'ai découvert Hamlet précisément au Met, dans l'interprétation que vous avez citée tout à l'heure, avec notamment Nathalie Dessay. Oui. Ah, Dessay, d'accord. C'était en, je crois, 2010. Mais c'est un opéra donc, que j'ai découvert sur le tard, mais qui vraiment vaut la peine d'être vu et entendu, surtout. Alors, il y a effectivement, alors, le maître, quand on faisait... Alors, pour Bruno, nous avons, pendant la période du confinement, donc le Metropolitan Opera de New York avait proposé des captations en, je veux dire, tous les soirs. Donc, tout le monde pouvait faire ça. Et donc, on avait mis en place une petite lettre que j'avais appelée l'Opéra au Salon. Et ce qui permettait, donc, toutes les semaines, on faisait le programme. Et donc, on a eu effectivement le Hamlet avec Simon Kinleyside et Marlies Petersen, bon, qui est extraordinaire, un peu moins comme chanteuse, mais comme actrice, elle est absolument éblouissante. Et c'est là que j'ai découvert, enfin, redécouvert Hamlet que j'avais vu pour le coup au Théâtre du Châtelet avec Thomas Hampson et Nathalie Dessay. Vous avez raison. Et José Van Damme. Oui, tout à fait. Ça, c'était une distribution absolument fabuleuse. Et il y a d'ailleurs un enregistrement au disque, je crois, de cette version. Ah, c'est possible, c'est possible. Version. Il y a un enregistrement. Oui, je crois aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc je suis tout à fait d'accord avec Jean et Bruno. C'est un opéra qui est peu connu et mal connu, mais qui vaut vraiment la peine, à la fois musicalement, vocalement, orchestralement, et même, je dirais, dramatiquement. Oui, c'est ça. Dramatiquement, il y a une grande science du drame. D'ailleurs, il y a une science aussi de la spatialisation de l'orchestre. C'est très, très intéressant. J'ai un exemple tout à fait fascinant à vous donner, mais qui m'a frappé, en fait, lorsque j'ai revu cette production. Et ensuite, j'ai vérifié dans mes documents et je me suis aperçu que donc, ce que j'avais entendu était bien là. Mais à un moment donné, il y a la scène du spectre. Et pendant ce temps, il y a la cérémonie, il y a les festivités donc, du mariage, du couronnement de Claudius et de Gertrude. Et donc, il y a la scène du spectre saisissante, face à face entre le spectre et Hamlet, et le spectre révèle progressivement, c'est ça qui est très habile, à Hamlet ce qui s'est passé. Mais il ne dit pas le nom du meurtrier. Et qu'est-ce qui se passe ? Au moment où il ne le désigne pas, mais il apprend à Hamlet que son père a été tué, Hamlet lui dit « Mais qui l'a fait ?» Et n'importe quel compositeur, librettiste, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il y aurait une réponse du spectre qui aurait dit « C'est Claudius, ton oncle. » Pas du tout. La première chose, on entend la musique des fêtes. Et c'est parce qu'on entend la musique qu'à ce moment-là, Hamlet dit « C'est mon oncle. » Ça, je trouve ça génial. Parce que c'est la musique qui parle, c'est la théorie wagnérienne, hein, de l'indicible, la musique dit ce qui n'est pas dit, en quelque sorte, complète ce qui n'est pas dit. Et bien là, on a une parfaite illustration, c'est un détail, hein. Beaucoup de gens ne le noteront pas, mais c'est tout à fait fascinant. C'est, on entend la musique, et ensuite, Hamlet dit, ah, c'est lui. Eh oui, c'est lui. Voilà. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que c'est les vertus musicales, c'est-à-dire c'est la musique qui porte, en quelque sorte, la narrative. En ça, Thomas n'a rien à envier à Wagner. Et pour une raison très simple, je le répète une nouvelle fois, parce qu'on a beaucoup taxé sa partition de wagnérisme. Pourquoi ? Parce que, omniprésence de l'orchestre,
parce que sens de l'orchestration, et puis surtout parce que l'orchestre narratif. Mais ce que l'on oublie de dire, je l'ai dit tout à l'heure évoqué, c'est qu'avant Wagner, il y a eu Berlioz. Berlioz est l'aîné de Wagner, et Berlioz a beaucoup inspiré Wagner. Et s'il y a bien un compositeur qui avait une science de l'orchestration et une science de la théâtralisation de l'orchestration, c'était bien Berlioz. Et moi, j'aurais tendance à dire que Thomas, il n'emprunte pas les pas de Wagner, mais il emprunte ceux de Berlioz. Ce qui n'est pas totalement la même chose, parce qu'on reste dans la filiation française. Qui du reste était un de ses amis de Rome. Exactement. Et tout à fait, c'était un de ses amis, puisqu'elle a été prise de Rome, j'ai oublié de le dire. C'est bien. Et puis, vous avez, si vous avez l'occasion, ce qui m'a frappé aussi, la pantomime, l'utilisation de la pantomime, qui est très audacieuse pour un compositeur, parce que là, vous évoluez sans filet, on est sur presque une musique de ballet, sauf que là, on a quand même du théâtre, on a des comédiens, donc il faut que la musique colle avec ce qui est en train de se jouer. Bon, moi, j'ai tout de suite pensé la pantomime, à cette immense pantomime des Troyens, la scène d'Andromaque, où vous avez Andromaque qui vient s'incliner sur le corps de son mari, et vous avez uniquement, de mémoire, c'est un cor anglais, absolument sublime. Vous avez un solo de cor anglais qui vient illustrer toute la scène. C'est-à-dire que rien n'est dit, vous n'avez pas un mot, c'est juste la déploration, enfin la scène, l'immense tristesse d'Andromaque qui est décrite par soi. Tout à fait fascinant. Ben voilà, on a cette filiation qui se trouve entre les deux pantomimes. Qu'on retrouve dans le cor anglais de Tristan. Exactement, qu'on retrouve aussi dans le cor anglais de Tristan. Victoire. Voilà. Donc ça, c'est fascinant, c'est totalement fascinant. On voit bien le parallèle. Ouais, on voit bien le parallèle. Mais la filiation, pour moi, elle est plus Ambroise Thomas, elle est plus française, elle est plus chez Berlioz, il faut plus la trouver chez Berlioz que chez Wagner, c'est une évidence. Bénédicte, vous aviez… Je vois que vous mourrez d'envie de dire quelque chose, donc… c'est en mute. Il faut que vous me remettiez votre micro. Ça va être bon, là. Je ne vous entends pas. On ne vous entend pas, Bénédicte. En attendant, quelqu'un d'autre a… Je pense que votre Zoom n'est pas relié à vos écouteurs, en fait. Ah. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé effectivement de Jean-Robert Faure, qui était le grand baryton de l'époque, peint par Manet, mais qui était aussi un remarquable collectionneur. Ah oui, ça, je ne savais pas. Lui-même collectionnait beaucoup. Il avait une importante collection de Manet. Hein, alors, il adorait aussi Manet. Et il avait une très, très importante collection. C'était un passionné d'art. Immense figure, Jean-Baptiste Faure. Ouais. Ah, absolument, c'est un homme étonnant. Et c'est très intéressant, quand on parle aussi de la filiation d'Ambroise Thomas, je pense à ça pour le passage de la tessiture de ténor à baryton, la filiation entre Ambroise Thomas et Massenet, hein, on ne le dit pas suffisamment, il faut quand même le rappeler, hein, c'est très important cette filiation, et parce que Massenet, lui, n'avait pas la mémoire courte, donc il se souvenait de son maître, et notamment le fait que Werther, la transposition de ténor pour baryton aussi, qui est un peu dans la même perspective, oui. Puisqu'on ne le dit pas suffisamment, Werther est un rôle écrit pour ténor, mais très tôt, Massenet voulait l'écrire pour baryton. Très tôt, il avait cette idée de la version pour baryton. C'est intéressant de voir que les mauvaises langues disent que l'Opéra de Paris n'a jamais été très très bon en ténor, mais par contre, il avait toujours eu très très bon tout baryton, raison pour laquelle effectivement les Français ont beaucoup misé sur le baryton. Sur le baryton. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est vrai que dans cette période-là, Faure était plus riche en baryton qu'en ténor. Et il y avait très peu de choses pour ténor parce qu'il n'y avait pas, dans l'Opéra de Paris de ténor extraordinaire. Il y avait Dupré. Oui, c'est vrai. C'était un immense ténor, très grand ténor, Dupré. Oui. Mais ils n'étaient pas légion, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Voilà.
Bon, bah, écoutez, je crois que vous avez donné largement envie. Est-ce que vous avez d'autres questions, hein? Je ne veux pas que quelqu'un se dise, tiens, j'avais une question brûlante à poser et je n'ai pas osé la faire ou je n'ai pas eu le temps de le faire. Non? On fait ça comme aux enchères. Un, deux, trois. Bon, écoutez, être jugé vendu. C'était comme toujours passionnant, hein, et on a hâte d'aller voir ou d'aller revoir Hamlet pour ceux qui l'ont déjà vu. Je crois, et surtout, alors vous avez quand même attiré notre attention et notre oreille sur des détails que personnellement j'avais pas du tout écouté et dont je vais réécouter Hamlet avec cette oreille plus attentive sur effectivement les instruments, l'orchestration, et pas simplement sur l'ambiance générale et les voix, ce qui est parfois la tentation. Et il faut souhaiter que du Mousseau, mais je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que du Mousseau avait dirigé deux fois Ambroise Thomas, il connaît bien le compositeur, et je pense qu'en plus c'est un chef français, donc la notion de coloration instrumentale qui est très propre à l'orchestre français, d'instrumentation, je pense qu'il va faire ressortir tout ça. Et puis en plus, on a les musiciens pour, on est dans une filiation, l'orchestre de l'Opéra de Paris joue très bien le répertoire français, on a un merveilleux oboïste, on a de la petite harmonie, on a des musiciens formidables. Là, on a surtout besoin d'un très bon saxophone et un très bon trombone. Très bon saxophone, mais comme je vous disais, non, parce que la petite harmonie aussi est alors, juste un petit détail que je vous annonce, je ne pourrais pas, mais je vous l'annonce, le saxophone sera sur scène. Voilà. D'accord. Saxophone sera sur scène. Mais la petite harmonie est capitale. Écoutez, vous allez voir, flûte, hautbois, cor anglais, extraordinaire. Voilà. C'est vraiment un sens de la coloration. La petite harmonie est très, très bien utilisée aussi. Voilà. Parfait. Bon, bah écoutez, encore merci mille fois. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Merci à Bruno pour son enthousiasme totalement communicatif, comme d'habitude, et sa science merveilleuse. Merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon spectacle. Merci. Merci beaucoup.